bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir cette écharpe faite avec des fleurs. Et c'est une écharpe faite avec des bandes qu'on relie en travaillant. En même temps qu'on travaille, on les relie. Donc, on peut faire ces bandes d'une même couleur, comme on peut utiliser plusieurs couleurs. C'est très joli et c'est très bien pour le printemps. Donc, j'ai utilisé un fil numéro 4 pour faire cette écharpe. Et j'ai utilisé un crochet numéro 5,5 pour faire cette écharpe. Je fais que 3 bandes. Vous pouvez faire autant que vous voulez, la largeur que vous souhaitez et la longueur également que vous voulez. Pour le travail d'aujourd'hui, je vais utiliser un fil un peu plus fin et un crochet numéro 3,5. Donc, je vais commencer par... travailler avec le fil rose. Donc on commence par faire tout d'abord le nœud. On fait un nœud et je prends mon crochet, je fais 3 mailles chaînettes. Vous faites un jeté, vous tirez une boucle, c'est une maille chaînette ou une maille coulée, maille en l'air, une deuxième et une troisième. On a 3 mailles chaînettes. Voilà. Je fais un jeté et je m'introduis dans la première des 3 et je vais faire une bride. Voilà. Comme je fais la bride. Voilà. Donc j'ai 3 mailles chaînettes et une bride. Je vais faire encore 3 mailles chaînettes et je fais un jeté et je vais aller sur ces deux fils là. Regardez, je vais aller m'introduire sous ces deux fils là. Je m'introduis et je fais un jeté, je tire une boucle. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je continue comme si j'allais faire une bride, mais je la finis pas. Donc je fais un autre jeté, je reviens au même endroit, je vais faire une autre bride. Voilà, je commence, il me reste 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je laisse tomber les 3 boucles. Voilà, ici on a les 3 séries de mailles et ici 2. Donc je continue, je fais 3 mailles chaînettes, un jeté, et là vous avez vous avez un fil, un deuxième et un troisième. Je fais un jeté et je m'introduis sous les 3 bras et je vais faire une bride. Ce qui fait, j'ai 3 mailles chaînettes et une bride là. Ici, j'ai 3 mailles chaînettes, 2 brides. 3 mailles chaînettes, 1 bride. On va continuer comme ça. Donc maintenant, on va faire 3 mailles chaînettes. Je fais un jeté, je vais aller faire une bride. Je m'introduis sous les 2 brins que je vois là. Hein? Les 2 brins. Et je commence une bride. Mais je ne la finis pas. Je fais un autre jeté, je reviens au même endroit et je fais une deuxième bride. Voilà, et maintenant j'ai 3 boucles sur le crochet, je laisse tomber les 3. Et regardez ce que j'ai, qu'est-ce qu'on obtient. On a ici 3 mailles chaînettes, 1 bride, 3 mailles chaînettes, 2 brides, 3 mailles chaînettes, 1 bride, 3 mailles chaînettes, 2 brides. On continue comme ça, 2, 3, 2, 3. On a commencé par 2, 3 mailles chaînettes et 1 bride, et on va finir, vous faites la longueur que vous voulez, et vous finissez par 3, par les 3, 2 mailles chaînettes et 3 brides. Donc on continue. 1, 2, 3, 3 mailles chaînettes
Et là, je m'introduis sous les trois brins et je vais faire une bride. Donc, je fais ensuite 3 mailles chaînettes. Je fais un jeté. Je vais aller m'introduire sous les deux brins. Et là, maintenant, je vais faire les deux brides. Que je commence la première, je ne la termine pas. Je fais un jeté, je reviens. Je vais commencer une deuxième bride. Voilà. Maintenant que j'ai les trois boucles sur le crochet, je les fais tomber toutes les trois. Pour cette écharpe, pour celle-là, moi j'ai fait, comme je vous ai dit, c'est un fil 4, ça veut dire il est un peu plus épais, et un crochet 5,5. Et j'ai fait 63, comme ça. J'ai une, deux, là, combien j'en ai? Jusque-là. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Moi, j'ai fait là pour l'écharpe 63. Vous faites la longueur que vous voulez de l'écharpe. Donc, vous faites autant la longueur que vous souhaitez. Moi, je vais faire un petit exemple avec vous pour vous montrer comment j'ai fait l'écharpe. Voilà. Maintenant, j'ai fait 3 mailles chaînettes et je m'introduis sous les trois brins. Je m'introduis sous les trois brins pour faire une bride. Quand je m'introduis sous les trois, je fais une bride normale. Je m'arrête pas. Mais quand je fais sous les deux brins, et donc là, je m'introduis sous les deux brins, je fais une bride que je ne termine pas. Voilà, je m'arrête là et je fais un jeté, je commence une deuxième bride. Voilà. Et quand j'ai les trois boucles sur le crochet, je les fais tomber tous les trois, ce qui fait que j'obtiens deux brides et trois mailles chaînettes. Là, j'ai une bride et trois mailles chaînettes. Et ainsi, alternativement, 2, 3, 2, 3, 2, 3, jusqu'à la longueur souhaitée. Donc, vous continuez comme ça, jusqu'à obtenir la longueur que vous désirez. Donc, je continue 3 mailles chaînettes et je m'introduis sous les trois brins. Et je fais une bride. Maintenant, 3 mailles chaînettes, une jetée, je m'introduis sous les deux brins. Ça se voit, regardez. Là, vous avez que deux brins, puisqu'il y a une bride et 3 mailles chaînettes. Là, vous avez les trois brins parce qu'il y a deux brides et 3 mailles chaînettes. Donc, vous savez que quand vous avez deux brins, donc vous faites deux brides. Parce que après, vous devez avoir les trois. Donc, les deux brides et les trois mailles chaînettes. Donc, je fais comme ça. Je commence une bride, je ne la termine pas. Ensuite, j'obtiens les deux brides et les trois mailles chaînettes. Et c'est alternativement que je continue comme ça. Okay. Combien j'ai là? Donc, 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 10. Je vais faire encore un peu. Une, deux, trois. Je vais faire une bride. Une, deux, trois. Et je m'introduis sous les deux brins. Je commence une bride. Je ne la termine pas. Et je fais un jeté. Je commence une deuxième bride. Et quand j'ai les trois boucles, je termine comme ça. Donc, je m'arrête là pour mon exemple. Vous continuez jusqu'à la longueur souhaitée de votre écharpe. Bon, maintenant, moi, j'ai 12 ensemble. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12. Rappelez-vous le nombre d'ensemble que vous faites. Si vous faites 80, dans les autres bandes, vous devez faire le même nombre. Sinon, votre travail ne sera pas régulier. Donc, on commence, on fait attention. On commence par deux, trois mailles chaînettes et une bride. Et on termine par, c'est important, il faut finir avec trois mailles chaînettes et deux brides. Donc, vous faites la longueur que vous souhaitez, un mètre et demi. La longueur de l'écharpe souhaitée. Pour ma part, je vais faire juste un exemple. Donc,
Une fois terminé, on suppose que mon écharpe est de cette longueur. Donc, j'ai commencé par l'ensemble de 3 mailles chaînettes, une bride, et j'ai terminé par 3 mailles chaînettes, deux brides. Là, maintenant, où est-ce qu'on va travailler pour faire nos fleurs? On va pas travailler dans cet ensemble de 3 brides, les 3 mailles chaînettes et les deux brides. Non, on va travailler à l'intérieur de 3 mailles chaînettes et la bride, à l'intérieur ici. Donc, on saute les trois et on va travailler dans les deux, dans l'ensemble des deux, les 3 mailles chaînettes et la bride. Donc, on va s'introduire ou toujours ici pour travailler. Donc, c'est important de commencer par les deux brides et de finir par les trois brides. Donc, maintenant, on va faire 6 mailles chaînettes. Une, deux, trois, quatre. 5, 6. On fait 6 mailles chaînettes. Je fais un jeté. Je vais m'introduire dans cet ensemble qu'on a dit, les 3 mailles chaînettes et la bride. Je m'introduis dans ce vide-là et je vais faire une bride. Je vais commencer une bride. Je vais commencer une bride. Donc, j'ai 2 mailles chaînettes sur le crochet. Je les laisse. Je ne termine pas la bride. Je fais un jeté. Je vais aller faire une deuxième bride que je ne vais pas finir. Donc, voilà la deuxième. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un autre jeté pour aller faire une troisième bride. Et je fais un jeté. Je laisse tomber les 2 boucles. Donc voilà, j'ai maintenant 3 brides non finies et ma première maille. Donc, et là maintenant, je vais faire un jeté et je vais tout laisser tomber. Voilà. On va recommencer. Donc je fais maintenant une, trois, et on va faire 6 mailles chaînettes. Donc j'ai fait 2, je vais faire 3, 4, 5, 6. Donc, et je fais un jeté, je vais faire le même travail. Je vais faire 3 brides que je ne termine pas jusqu'à la fin. Voilà, une première bride que je ne finis pas, une deuxième que je ne finis pas, et une troisième, je fais un jeté pour aller faire commencer une troisième. Voilà, et voilà, j'ai 4 boucles sur le crochet maintenant et je les fais tomber toutes les 4. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je vais aller sur, je vais sauter ces 3 mailles chaînettes et les 2 brides. Je saute, je vais sauter et aller directement ici dans l'ensemble 3 mailles chaînettes et la bride suivante. Regardez. On a travaillé sur la première, maintenant on va aller sur celle-là. On saute les 3 brides et on va aller sur les 2. Alors, je vais faire un jeté et je m'introduis pour faire mes 3 brides directement. Les 3 brides que je ne finis pas jusqu'à la fin. Voilà. Voilà, j'ai mes 4 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je les fais tomber. Regardez, qu'est-ce qu'on obtient. Maintenant, je vais faire comme ici, mes 6, les 6 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais recommencer. Dans chacune, on fait 2 pétales. De ce côté, on va faire les 2 de l'autre côté. Une, deuxième bride que je commence et que je ne termine pas. Et la troisième bride. Voilà, maintenant j'ai 4 boucles, je laisse tout tomber. Regardez, en passant de ces 2 mailles, de cet ensemble à l'ensemble, on ne fait pas de mailles de séparation. Hein? Regardez, entre les pétales, il y a une séparation, mais c'est la pétale qui sort de cet ensemble et celle qui sort de cet ensemble, il n'y a pas de séparation. Directement, par exemple là, je suis ici, directement je passe, je fais un jeté et je vais aller m'introduire ici, je saute les 3 brides, je vais aller dans les 2 brides, au centre des 2 brides, et je vais fermer bride incomplète jusqu'à la fin. Les 3 brides, regardez. Voilà, mes 3 brides que je ne termine pas jusqu'à la fin. Voilà. Entre celle-là et celle-là, il n'y a pas de séparation. On ne fait pas les 6 mailles. On fait les 6 mailles entre
entre les pétales qui sont à l'intérieur du centre. J'attire votre attention, c'est tout. Donc 2, je fais 4, 6 mailles chaînettes. Et je vais faire la deuxième pétale dans ce centre. Voilà. Donc 1, 2 et 3. Et maintenant, je laisse tomber mes 3 boucles. J'espère que c'est clair. Donc, maintenant, pour passer de cet ensemble à ici, d'ici à ici, je fais un jeté et je vais directement pour faire ma bride incomplète, deuxième bride et ma troisième bride. Voilà. Mais quand j'ai les 4 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber. Donc, je fais mes pétales comme ça. Maintenant, entre celle-là et l'autre pétale, je vais les séparer par 6 mailles chaînettes. 4, 5, 6. Vous voyez? Donc, je fais un jeté et je m'introduis pour faire mes 3 brides. Voilà. Voilà mes 3 brides et que je termine comme ça. Donc, on continue. Je fais un jeté et je saute les 3 brides là. Je vais aller dans les 2 brides à l'intérieur et je vais commencer les brides. Une. Je fais un jeté, je laisse tomber 2. Je fais un jeté, je tire une boucle, je laisse tomber 2. J'ai 4 boucles sur mon crochet et je les laisse tomber toutes les 4. Entre les 2, celle-là, elle vient de ce groupe et celle-là, elle vient de ce groupe, mais entre les 2, il n'y a pas de séparation. Mais entre les pétales du même groupe, de la même fleur, les pétales de la même fleur sont séparés par 6 mailles chaînettes. Une. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais faire une autre pétale dans le même centre. Une bride, une deuxième bride incomplète et une troisième bride. Maintenant, je termine en les faisant tomber toutes les 3. Voilà. Donc, maintenant, j'arrive à la fin. Je vais faire un jeté et directement entre les mailles chaînettes et la bride, cet espace entre les 2, je m'introduis et je fais la même chose. Donc, première bride, une deuxième, une troisième, je fais un jeté et je vais les laisser tomber toutes les 4. Entre la première pétale et la deuxième, je sépare par 6 mailles chaînettes. Donc voilà mes 6 mailles chaînettes, un jeté et je vais faire la deuxième pétale. Voilà. Je commence par une première bride, une deuxième bride et une troisième bride incomplète. Maintenant, je fais un jeté et je les termine toutes les 3 en même temps. Voilà. Vous allez obtenir comme ça, vous allez obtenir ça. Maintenant, on va tourner. Voilà votre travail. Prenez un marqueur. Vous allez le mettre n'importe où ici. N'importe où, de ce côté, de cette face, parce que vous avez le dos du travail. Vous avez le dos du travail et vous avez la face. Donc on a travaillé sur la face. Donc ça, c'est la face de votre travail. Donc vous pouvez faire y mettre un marqueur pour vous rappeler que c'est ça la face du travail. Maintenant, on a terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire 6 mailles chaînettes. J'ai terminé ce rond. Maintenant, je vais tourner. Donc je commence par faire une, deux, 3, 4, 5, 6 mailles chaînettes. 6 mailles chaînettes et après, je vais aller dans chacun.
Parce que là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà le centre de notre travail. Et dans chaque fleur, ce centre-là, c'est les fleurs. Donc, dans chaque fleur, on a fait deux pétales. Il nous manque deux pétales. On va faire une pétale comme ça et une pétale comme ça. Et on a dit, entre les pétales, les pétales sont séparées par six mailles chaînettes. C'est ce qu'on est en train de faire. On a fait les six mailles chaînettes. Donc, je vais faire une pétale ici, six mailles chaînettes, et une deuxième pétale dans le même centre. Donc, chaque fleur a quatre pétales. OK? On ne parle pas de ça. Ça, c'est ce qu'on avait fait au départ, au début. Donc, on va avoir ça et quatre pétales. OK? D'accord. Maintenant, je continue. J'ai fait mes six mailles chaînettes. 2, 4 et 6 mailles chaînettes. Donc, je vais faire un jeté. Je prends ce bout de fil. J'essaie de prendre ce bout de fil avec moi. Donc, et j'introduis mon crochet dans le premier centre pour faire mes pétales. Les pétales, on les fait avec des brides. Trois brides qu'on termine à la fin. Voilà ma troisième bride. Regardez, je fais un jeté. Je laisse tomber deux. J'ai quatre brides sur le crochet. J'ai quatre boucles sur le crochet. Et je fais un jeté, je les laisse tomber toutes les quatre. Et donc pour faire ma quatrième pétale, je dois faire 6 mailles chaînettes pour séparer. 4, 5, 6. Voilà, je fais un jeté, je vais faire mes trois brides. Encore les trois brides incomplètes. Une, deux, trois. Et voilà, vous avez quatre boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous les laissez tomber comme ça. Donc, voilà la fleur, ma première fleur, elle est terminée. J'ai quatre pétales sur ma première fleur. Pour passer, on a dit, de ce centre-là, à cet ensemble-là, à l'ensemble, à l'autre ensemble, on ne fait pas de séparation de mailles serrées, de mailles chaînettes. Donc, on passe directement. Donc, je vais faire mes brides. Mes trois brides incomplètes de la deuxième fleur. Pardon. Voilà, vous avez quatre boucles. Je vais faire comme ça un jeté. Et maintenant, pour ma deuxième fleur, elle a une, deux, trois pétales. Je vais séparer cette pétale de la suivante. Par 4 mailles, par 6 mailles chaînettes. 2, 4, 6. Voilà. Et je vais faire ma pétale en faisant mes 3 brides. Pardon. Il y a ce bout de fil qui gêne un peu. Donc, je continue. Je vais faire ma première bride sans la finir. Une deuxième bride que je ne termine pas également. Et ma troisième, je fais un jeté, je laisse tomber deux, j'ai quatre boucles sur le crochet, je fais un jeté et je termine mes boucles. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, ma première et ma deuxième fleur sont terminées. Allez, je passe maintenant sur la troisième, elle est un peu cachée. On saute toujours les trois mailles chaînettes et les deux brides. On ne travaille pas dessus, on va travailler toujours dans les deux brides, dans les centres qu'on avait déjà travaillé, où on avait déjà travaillé. Donc je fais un jeté et je passe à la suivante directement pour faire mes trois brides. Une, deux et trois. Je fais un jeté. Voilà ma pétale terminée. Pour passer à l'autre pétale, je sépare par six mailles chaînettes. Donc voilà, 6 mailles chaînettes et je vais faire dans le même point mes 3 brides pour faire ma pétale. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Je continue pour passer de cette fleur à la fleur suivante. Je fais que mes trois. Je ne sépare pas par les six mailles chaînettes. Non, je passe directement. Je passe directement et je fais mes brides. Donc voilà, deuxième bride et troisième bride. Et voilà, et je termine maintenant les brides.
Voilà, j'ai fait une pétale. Donc, pour passer à la pétale suivante, parce qu'il me faut, moi, il me faut deux dans chaque fleur, je fais deux. Donc, pour passer à la suivante, on sépare par 6 mailles chaînettes et je vais faire une autre pétale. Continuer comme ça, comme on avait fait au début jusqu'à la fin, et on se retrouve. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, pour ma dernière fleur, j'ai fait une pétale. J'ai séparé, j'ai fait une pétale, j'ai séparé par 6 mailles chaînettes et je vais aller sur la première que j'avais. Hein. Donc j'ai fait une pétale. Regardez, j'ai une, deux, trois pétales sur et la quatrième, elle est là. Donc et ça, chacune va être, j'ai fait ma dernière pétale, 6 mailles chaînettes et je vais sur cette première pétale que j'avais faite au début. Et je m'introduis dans le haut de la pétale pour faire une maille coulée. Regardez comme ça, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai fait ma première bande. Maintenant, je peux couper le fil. Je coupe le fil et je vais commencer une deuxième bande. Moi, je vais la finir pour qu'elle soit claire pour vous. Je vais la faire en vert. OK? Donc, on va faire la même chose. Voilà ma première bande avec ma face. La face, c'est ce côté où il y a le marqueur. Et je laisse et je commence une deuxième. Je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas la faire en entier avec vous. Vous revenez au début pour faire la même chose qu'on a fait mettre. Maintenant, mais pas, vous ne finissez pas tout. On fait la moitié. Juste, on fait les ensembles, le 2, 3, 2, 3, 2, 3. Donc, et on fait les fleurs, les pétales de ce côté et on s'arrête pour aller sur le deuxième côté. On va le faire ensemble. Regardez. Je vais faire mes 3 mailles chaînettes. Je commence par les 3 mailles chaînettes. Je fais un jeté. Je vais aller sur la première maille pour faire ma bride. C'est comme ça qu'on avait commencé au début. Je fais comme ça. Donc, j'ai déjà un ensemble. 3 mailles chaînettes, une bride. Je fais 3 mailles chaînettes. Et maintenant, je vais faire l'ensemble de 3. Donc, je fais un jeté et je m'introduis sous ces deux brins-là. Et je vais faire une bride que je ne termine pas. Et je vais faire un jeté pour aller sous les deux brins. Et faire une deuxième bride. Voilà. Maintenant, j'ai 3 boucles. Je les laisse tomber. Donc, j'ai un ensemble de 2, 3 mailles chaînettes, une bride. Et j'ai un ensemble 3 mailles chaînettes, 2 brides. Donc, je continue. 3 mailles chaînettes. Et je vais aller sous les 3 brins. Et faire une bride. Donc, quand vous faites cette bande-là, vérifiez que vous vous êtes trompé, qu'il y a 2, 2, 3, 2, 3. Sinon, votre travail ne sera pas régulier et comme il faut. OK? Donc, on va travailler. Moi, j'avais fait 12, 12 ensemble. Je vais faire la même chose. Donc, quand vous commencez votre bande, le nombre que vous avez fait dans la première, vous faites la même chose, le même nombre. Exactement. Donc, je vais faire la moitié du travail et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé la moitié du travail de mon deuxième rang. Donc, j'arrive là, j'ai 2 pétales sur la dernière fleur et entre les pétales, on a dit on sépare par 6 mailles chaînettes. Donc, je sépare encore par 2 mailles chaînettes, par 6 mailles chaînettes, 2, 4, 5, 6. Là, sur la dernière fleur, j'ai que 2 pétales. Il m'en manque 2. Je vais faire une autre. Donc, j'ai séparé par 6 mailles chaînettes et je vais faire une troisième pétale. Voilà. Et ma troisième pétale, elle est faite. Ensuite, maintenant, avant de faire la dernière pétale de la dernière fleur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on a dit, ça c'est la face de mon travail. Puisque j'avais mis un marqueur. Et ça, c'est la face. Ça, c'est le dos de mon travail. Donc, je prends
Voilà, mon travail, il est comme ça. Hein? Je suis en train de travailler ça sur côté face, ça, côté dos. Donc, je prends mon travail côté face vers moi et je prends l'autre bande. Regardez, je prends l'autre bande et je fais comme ça. Regardez, quand je les pose, c'est comme ça. Je fais comme ça. Je les mets dos à dos. Ça, c'est le dos, ça, c'est le dos. Donc, je les mets dos à dos et voilà, ma fleur, elle est comme ça. Maintenant, pour les relier, mes deux bandes, je vais faire 3 mailles chaînettes. Normalement, on met 6. Maintenant, je fais 3 mailles chaînettes et je m'introduis dans celle-là, dans les mailles chaînettes, les 6 mailles chaînettes de la deuxième, première bande, de la bande rose, et je vais faire une maille serrée. Vous voyez? Et je continue. Une, deux, 3 mailles chaînettes. Maintenant, mes deux bandes sont reliées entre elles. Elles sont reliées. Et maintenant, je reviens. Je reviens vers ma bande verte. Je fais un jeté et je vais faire ma troisième pétale, ma quatrième pétale. Donc, une, je vais faire une bride. Une deuxième bride. Comme on faisait tout à l'heure avec les brides incomplètes jusqu'à la fin. Donc, voilà ma troisième. Et je laisse tomber mes boucles. Voilà. Ma première fleur, elle est terminée. Alors, 4, c'est 4. Je saute les 3 brides là et je vais aller au centre de la deuxième fleur qui est là. Donc, entre les fleurs, on a dit, on passe directement. Donc, je fais un jeté et je vais aller directement sur le centre de la deuxième fleur. Je fais une pétale. La pétale, on a dit, avec les 3 brides qu'on termine à la fin. Voilà, mes 3 brides et je termine. Entre la pétale, la troisième et la quatrième, normalement, je dois faire 6 mailles chaînettes. Mais là, je fais que 3 parce que, et je vais aller, vous faites comme ça pour savoir où vous allez relier votre fleur, vos bandes. Donc, et vous prenez votre crochet, vous l'introduisez, votre fil, il est là. Vous introduisez votre crochet, vous faites une maille serrée. Hein? Le fil, il est derrière les 6 mailles chaînettes roses et vous faites une maille serrée. Et ensuite, vous continuez 3 mailles chaînettes. On a fait 3 mailles chaînettes avant, une maille serrée, 3 mailles chaînettes après. Maintenant, je reviens sur ma bande verte, je fais un jeté et je vais faire ma fleur. C'est très facile, il suffit de regarder. Il n'y a pas de difficulté. Voilà, j'ai mes 4 brides, mes 4 boucles, je les laisse tomber. Voilà, j'ai fait ma deuxième pétale de la deuxième fleur. Et regardez comment elles sont reliées, mes bandes, elles sont en train d'être reliées entre elles. J'ai fait ces deux couleurs-là pour que ça soit clair. Donc maintenant, je continue. Pour passer, maintenant j'ai là, c'est la deuxième fleur, elle a ses 4 pétales. Je saute les trois brides là et je vais au centre de la troisième fleur. Là, j'ai le centre de la troisième fleur et directement, on va directement, je fais un jeté et je vais aller faire mes 3 brides. Une, deux et trois. Et je fais un jeté et je les laisse tomber. Voilà, j'ai mes 3e pétale. Maintenant, je fais 3 mailles chaînettes. Et je vais aller ici, regardez, là c'est déjà relié, donc automatiquement. Si vous faites le même nombre, c'est automatique. Donc je fais une maille serrée, ensuite 3 mailles chaînettes et je reviens sur ma fleur verte pour finir les pétales. Voilà, comme ça. Et voilà ma fleur, ma troisième fleur, finie. Et mes bandes sont reliées. Donc j'ai fait, là, elle a 4 pétales, 4 pétales, 4 pétales. Ça, c'est les 3 brides. Ça, c'est les 3 brides qu'on ne travaille pas, qui se trouvaient au milieu. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai fini cette fleur, je passe à la suivante. Je fais un jeté et je vais directement au centre de la quatrième fleur
Pour faire mes brides, ma pétale qui se compose de trois brides reliées entre elles, voilà, comme ça. Et là, je vais commencer par faire mes trois mailles chaînettes et je vais relier les deux bandes. Regardez-moi, mon fil, il est là. Et je m'introduis sous les six mailles chaînettes, je tire le fil, donc, et je fais un jeté. Et je laisse tomber les deux boucles, c'est la maille serrée. Donc, et je termine. Je fais trois mailles chaînettes, encore, parce que j'ai trois mailles chaînettes avant, trois mailles chaînettes après, et je reviens sur la fleur pour faire la dernière pétale. Voilà. Une. Et voilà, je termine cette fleur aussi, et en même temps, je relie mes bandes. Donc, et je continue comme ça. Maintenant, je vais passer à la fleur suivante. Et on a dit quand on passe par ça, quand on passe à la fleur suivante, on va directement un jeté, on va directement au centre de la fleur pour faire la pétale. Voilà, comme ça, avec mes trois brides. Et pour faire la pétale suivante, normalement, on sépare par 6 mailles chaînettes, mais là, parce qu'on doit relier les bandes entre elles, on fait 3 mailles. On va chercher à relier nos bandes par une maille serrée. Et je continue par 3 mailles chaînettes et je reviens à ma fleur verte. Voilà, et je fais ma dernière pétale. C'est très rapide, c'est très facile à faire. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi pour le faire, pour vous-même ou le donner en cadeau à une femme importante dans votre vie. Voilà. Maintenant, je passe à la fleur suivante. Je fais donc mes pétales, ma troisième pétale. Donc, je fais les trois brides. Voilà, ensuite 3 mailles chaînettes et je vais finir par relier. Voilà, le fil doit être en haut, pas ici, en haut. Et je fais comme ça, j'introduis, je prends une boucle et je fais un jeté. Maintenant, j'ai fait ma maille serrée, ensuite 3 mailles chaînettes et je reviens pour faire ma dernière pétale. Donc, qui se compose de trois brides incomplètes. Et vous aurez fini votre rond. Voilà. Maintenant, j'ai deux pétales là, à la fin. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la séparation entre les pétales. Maintenant, là, les deux bandes sont reliées. Il ne manque rien. Les deux bandes sont reliées, regardez. Elles sont reliées entre elles. Hein, et maintenant, mais à la fin. Ici, de mon monde, il me manque les 6 mailles chaînettes qui séparent les pétales entre elles. Donc, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, et vous allez vous introduire dans la première pétale, en haut de la première pétale, et vous faites une maille coulée. Voilà. Ensuite, maintenant, on va couper le fil. Voilà. Voilà, c'est pourquoi c'est important. C'est important le début de faire les deux brides, trois brides, deux brides, trois brides alternativement et ensuite le même nombre. Par exemple, là, j'ai fait 12 roses, j'ai fait 12 en vert. Donc, je peux continuer en blanc, je peux continuer à d'autres couleurs, je peux faire la même couleur. Donc, à vous de voir. J'espère que j'ai été claire. Vous allez être heureuse de faire cette écharpe. Et si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas les likes. Les likes, ça permet aux autres de voir ma vidéo et donc et ça me fera plaisir. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous ne serez pas déçus, Inch'Allah. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.